Alors déjà, ce projet solo, c'est pas un projet réellement, c'est une expérience plus entre ce lieu et mon travail qui est là depuis longtemps, mais qui est dans un dispositif qui est un peu nouveau aussi pour moi. Donc l'expérience, c'est vraiment une recherche qu'il y a de la part du Triton et de ma part d'aller vers un dispositif un peu unique, en fait. C'est quelque chose qui peut pas facilement se reproduire ailleurs. Donc le concert de Régis Subi que nous avons programmé au Triton, dans cette formule un peu particulière de multidiffusion, rentre dans le cadre d'une évolution importante que nous voulons réaliser au Triton, qui concerne à la fois le confort des musiciens sur scène. Un des axes importants du Triton, c'est d'aider à la création des artistes, et puis également donc, dans la posture du public, donc d'avoir une possibilité de rentrer dans la musique des artistes d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on place des haut-parleurs tout autour du public et on va envoyer dans chacun de ces haut-parleurs des données qui vont être soit des données de réverbération, c'est-à-dire on peut recréer une nouvelle salle dans la salle du Triton ou dans les deux salles du Triton, donner l'impression qu'on est ailleurs, dans une église, dans une grande salle de spectacle, à la Philharmonie, etc. Voilà, on n'est plus dans la salle du Triton. Et puis sur scène, donc il y a l'idée également de changer un petit peu la façon dont les musiciens vont pouvoir s'entendre sur scène. Voilà. Donc travailler le confort du musicien, sa créativité éventuellement en utilisant la spatialisation du son comme on a fait avec Régis, et puis également travailler sur le confort du spectateur comme on a toujours fait au Triton, hein, c'est-à-dire avoir un nouveau rapport avec la musique qui se crée sur scène, et avec des possibilités d'écoute et de postures différentes. Effectivement, c'est cette sensation d'une grande transparence de son et d'avoir l'impression que les murs ont été repoussés, qu'on est dans un lieu dont on maîtrise vraiment l'acoustique et qu'on se dit voilà, je veux telle dimension de pièce presque, on dit on pousse les murs, voilà, il y a des réflexions, des choses dans un endroit qui à la base qu'on connaît bien, qui est plutôt un lieu assez sec acoustiquement, et donc déjà cette expérience, mais là en plus avec tout un système d'enceintes comme ça et moi travaillant sur justement la géographie dans ce cercle là qui reproduit à peu près mais en cercle la géographie du son dans la salle. Ben ça, c'est justement, encore une fois, ça ouvre des tas de possibles, et j'ai l'impression de juste d'effleurer, en fait, la chose, et que j'aimerais pouvoir travailler avec ça pendant des semaines, quoi. Tout ça passe par de la technologie, hein, donc par, effectivement, des installations de haut-parleurs multiples, par des installations de machines, par des installations de logiciels qui vont gérer la multidiffusion en termes d'algorithmes. Et au niveau du logiciel, on utilise un logiciel qui s'appelle Spat Revolution de chez Flux, qui est issu donc de recherches de l'IRCAM qui datent déjà de nombreuses années et qui ont déjà été expérimentées très très souvent dans d'autres cadres que de la musique qu'on pratique ici, du jazz ou du rock ou de la pop, etc. Beaucoup de bidouilles quand même, hein. C'est de l'intégration, il y a une intégration assez complexe. On l'a appelé Strat parce qu'effectivement, c'est dans cette idée d'avoir des épaisseurs, de pouvoir travailler sur différents canaux et travailler sur les mémoires de son que j'ai à ma disposition, des enregistreurs,
éphémères, puisque c'est des choses qui ne sont pas programmées à l'avance. Donc, l'idée, c'est de circuler comme ça dans une matière sonore, d'être dans une matière sonore, avec cet outil qui est le SPAT et mes instruments et mes multiples pédales. Donc ça, c'est assez complexe. Donc jouer mon instrument, jouer tout ça, mais dans ce contexte-là, que la salle devient elle-même aussi un instrument, puisqu'il y a du son à l'arrière, le son sur les côtés, et tout ça, c'est un peu contrôlé. C'est une chose que j'ai ici aussi en contrôle. Donc il a passé 2 jours en répétition ici et il a pu lui tester les capacités de ces différentes machines et d'imaginer qu'est-ce qu'il pouvait faire avec la spatialisation, comment il pouvait profiter de la spatialisation pour faire autre chose de créatif avec sa musique. Donc ça, c'était très intéressant du point de vue du rapport avec Régis et sa propre musique. C'était très enrichissant au niveau de l'expérience. Cette impression d'être englobé dans la musique que Régis produisait. Et puis musicalement, c'était super bien, quoi. Donc c'était un très très bon moment, à la fois de création, d'émotion également. Les spectateurs ont montré qu'ils avaient aussi apprécié quand même ce moment-là. C'est assez génial d'être associé à un lieu comme ça pendant tant d'années. Je suis dans un lieu que je connais, et qui est en mouvement, qui cherche d'être témoin de ça, c'est déjà une chance. D'être partenaire de ça, c'est encore mieux. Et donc, effectivement, d'avoir l'opportunité de participer à ça, et pour moi et pour le lieu, enfin avec Jacques, ce sont des belles opportunités. Donc c'est un beau cadeau de pouvoir faire ça. Cette utilisation de la réverb, je pense qu'on va vraiment la généraliser sur scène très très rapidement et pour pas mal de temps.